ce pays européen situé au sud de la France. Sa capitale est Madrid. Les Espagnols ont une passion pour la corrida qui se déroule dans les arènes. L'architecte espagnol Antoni Gaudí est connu pour ses constructions biscornues dont les plus drôles se trouvent à Barcelone. Le flamenco est célèbre en Espagne. Accompagnées de chanteurs et de guitaristes, les danseuses bougent avec élégance et font claquer entre leurs doigts des castagnettes. Diego Velázquez est le principal artiste de l'âge d'or espagnol. Il est le peintre en chef de la cour du roi Philippe IV. Il appartient à la noblesse espagnole et se lance dans une carrière d'artiste peintre. Son plus célèbre portrait, Las Meninas, les Ménines, qui signifie les dames d'honneur, est une composition mettant en scène la famille royale espagnole. C'est un portrait de groupe qui n'a pas encore révélé tous ses secrets et qui se compose d'une galerie de personnages. On y reconnaît une princesse, une nonne, un nain et l'artiste lui-même. Elle représente une pièce à haut plafond qui est l'atelier du peintre. Observons ensemble pour comprendre la notion. Regardons le tableau. J'entends Z, j'écris un seul S. Par exemple, composer, choisir, visons. J'entends S, j'écris un seul S. Dans castagnette, secret et course. Et j'entends S, mais j'écris deux S. Entre deux voyelles, comme dans noblesse, puissance, poisson. À présent, faisons le bilan de la notion d'aujourd'hui. Premièrement, la lettre S se prononce S entre une voyelle et une consonne, ou inversement, entre deux consonnes, en début ou en fin de mot. Exemple, castagnette, course, construction, secret, processus. Deuxièmement, pour obtenir le son S entre deux voyelles, on écrit deux S. Exemple, noblesse, princesse, etc. Troisièmement, lorsque l'on écrit un seul S entre deux voyelles, on obtient le son Z. Comme par exemple dans le mot composé. Regardons la correction. Espagne, un S, puisqu'on est entre une voyelle et une consonne. Une tasse, deux S, puisque nous sommes entre deux consonnes. Une vasque, un seul S, A est une voyelle, Q est une consonne. Les tapas, le S se trouve en fin de mot. Sa richesse, deux S, puisque nous sommes entre deux voyelles. Une pastille, un seul S, car une voyelle, une consonne. Des danseuses, en premier pour le son S, un seul S, nous sommes entre une consonne et une voyelle. Et un S pour le son Z, entre deux voyelles. Et enfin, Sévillane, le S en début de mot fait le son S.